Isaiah 49, verse 16. See, I have inscribed your name in the palm of my hand, God says. And daily my eyes are upon the walls of Jerusalem, which is his people, his church, and every one of us here today. And we are ever so valuable to God this morning. Oh, we're gonna lift our hands to heaven right now. Thank you for this love, Lord.
We worship you, we praise you, we glorify your holy name. We bless you, O God. 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 Thank you, Jesus. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Father, we want to thank you this morning for bringing us into your presence. We are here to worship you, to exalt you, to lift up the name of Jesus high. Father, one day we're going to stand before your throne. Lord, when we stand together with the thousands upon thousands, 10,000s by 10,000s, upon the millions of believers all throughout the history of time, and to worship you, casting our crowns before you. Jesus, we just pray that this morning, as we come before your presence, you be high and lifted up, and you promise that when you're lifted up and exalted, you draw all men unto you. This morning, we want to draw near to you, Jesus. We want to draw closer to your heart. We want to draw closer to your presence, closer to your power. To you be all the glory and the power. So, Lord, we commit the whole service to your loving hands. We ask all this in Jesus' name. And everybody say, amen. Let's give God a big clap this morning. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for your presence. You are here. Touching every heart.
coup ou un bon mille attaché envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans crever, sans relâcher. Il faut s'aimer pour l'immortalité. Car doucement, mais sûrement, ma vague au bord, au bord. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma vague au bord, au bord. J'attends déjà l'écho, le chant de l'autre bord. Le temps est court pour dépouiller notre âme. Des doux fardeaux au venin du péché. Et ranimer en elle enfin la flamme. Au pays divin. Car doucement, mais sûrement, ma vague au bord. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma vague au bord. Déjà le goût de chant de l'autre bord. Le temps est court, oui, notre frère. Tendant lui donc la main d'amour de voix. Au pardonnant, et c'est mon sur la terre. Le bruit du meurt. Car doucement, mais sûrement, ma bague au bord. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma bague au bord. J'entends déjà l'écho des chants. Le temps est court, les vagues de la vie auront bientôt poussé ma bague au bord. Et d'âme souffre, moins loin de la patrie, indiquant-le l'unique entrée au bord. Car doucement, ma bague au bord, je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma bague au bord, j'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Car doucement, ma bague au bord, au bord. Je m'en vais vers les cieux. Gloire à Dieu, merci Seigneur, à l'Éternel, seul soit la gloire, à l'Éternel. Seul soit la louange, la majesté, au siècle des siècles.
Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour, indépendamment que vous écoutez l'édition de votre Jésus TV chaque dimanche à partir de 10h30 dans un service de louange et d'adoration. Son plaisir encore une fois pour nous rencontrer, pour nous adorer le Seigneur et en esprit et en vérité. Nous saluer tout un chacun à travers le monde entier, qui que vous soyez, et nous saluer vous. Et la plus belle salutation, c'est dans le plus grand nom de notre Seigneur Jésus-Christ, un nom grand, un nom merveilleux et un nom puissant. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il bonne pour nous capables sous même plateforme ça, dans la même lieu, et pour nous capables d'adorer. Encore une fois, nous saluons vous branchés dans le service de branche d'adoration. Nous demandons vous pour capables faire silence autour de vous, à l'intérieur de vous, espérant que vous bénissez, vous manifestez présence du Seigneur dans ta vie. Et bien par contre, nous avons salué le frère Camille Félix qui est déjà avec nous et pour la lecture de la parole de Dieu, nous avons dit bonsoir, bonjour, que le Seigneur est capable de nous. Frère Camille, bon Dieu béni. Bonjour, bonjour, pasteur David, pour tout le monde qui a écouté nous à travers le monde entier. Nous saluons la demande précieuse de notre Seigneur Jésus-Christ et nous remercions que nous disons pour nous lire la parole de Dieu qui a sorti dans Romains 2 jusqu'à la fin. C'est dans Romains 2 jusqu'à la fin. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc un peu excusable. Car en jugeant les autres, tu le condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Où prises-tu la richesse de ta bonté, de ta patience et de ta longanimité? Nous ne connaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais, par ton réjouissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un désordre de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui donnera à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, la bien faire. Cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur tout âme d'homme qui fait du mal. Sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tous ceux qui ont péché, sans la loi, périront aussi par la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas dans les faits ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Car par ceux qui ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui ont pas la loi et non pas eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leur pensée sans
Dieu est son heure tour à tour. C'est ce qui arrivera au jour où, selon l'évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donne le nom du Juif, qui te recouvre sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît ta volonté, qui apprécie la différence des choses et te construit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur de la veuve, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, pour ceux qui attendent d'avoir la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu t'enseignes pas toi-même, toi qui prêches, ne veux pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui es l'abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu pour la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcision concerne les honneurs de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la règle de la loi et la circoncision? Le Juif, ce n'est pas celui qui a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible de la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon le Seigneur. Selon l'esprit, et non selon la lettre, la louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci notre bien-aimé Camille Félix qui t'a pris dans l'épître de Paul au Romains chapitre 2. Il y a une très bonne lecture qui déjà expliqué un grand message à travers le monde entier. Nous, il est normal pour nous adorer le Seigneur. Dans la prière, nous demandons aux capables de brancher avec nous et puis on a adoré grand créateur là, qui mettait nous en existence là. Donc, à l'instar de David, il dit tous ceux qui respirent l'eau l'Éternel. Rivez brancher et n'a pas adoré le Seigneur ensemble en esprit et en vérité. Rivez brancher. Yeah.
Nous arrivons dans le moment pour nous rentrer dans la prière d'adoration, même qui branchait l'édition Boudreuse du TV qui vient la donne. L'ouvrage et adoration. L'ouvrage et adoration, c'est une offrande que vous offrez à l'Éternel, quel que soit côtoyé. Dans le lieu côtoyé, vous offrez une offrande à l'Éternel qui c'est. L'orange cœur, l'orange lève. Nous sommes capables de disposer pour nous capables d'adorer le Seigneur. Salmo 110 dans la parole qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel. Et il répond, question, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et nous constatons que personne à travers le monde pas capable de gagner une main innocente, personne à travers le monde pas capable de gagner un cœur pur. Sinon, le grand sacrifice au calvaire, le sang pur qui a été coulé, et nous croyons et nous obéissons. Et c'est seulement Silayo qui gagnait les mains innocentes et le cœur pur pour adorer le Seigneur. Il est aussi simple. Seulement croyez-le et obéis-le. Obéissons ça qui coulait,
qui sont mystères dans la vie de chaque bien-aimé qui croit et qui est capable d'adorer. Matin ou bien soir, et au capable, soit à l'hôpital, soit dans la prison, ou bien quel que soit côté, personnalité côté, ou besoin supérieur ça pour adorer. Comment on a fait ça? En esprit et en vérité, car le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il déclarait Dieu ça, son Dieu esprit. Il faut que les vrais adorateurs adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Disposez pour nous adorer le Seigneur. Père éternel, le vrai Dieu d'éternité en éternité, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le premier et dernier. Dans circonstances ça, nous présentons devant le sang pur qui a été coulé, le sang immaculé, le sang qui donne la vie éternelle, nous prosterner devant grand mystère ça pour nous capables de continuer à adorer où vous soyez. Soyez au Dieu, l'irrité immuable, l'irrité au Dieu inchangeable, car plan pour le monde, l'ipa qu'a changé. N'a déclaré un grand remerciement pour qu'aucun chef d'événement ça que ou établi pour éliter ou pour sauver ou. Si là est écrit dans le livre des vies de l'agneau, nous adorer ou et nous témoigner puissance ou, nous témoigner grâce ou, nous témoigner miséricorde ou. Nous témoigner justice ou, nous témoigner bonté ou. Nous ne pouvons jamais lier prophète Jérémie et qui t'est intercédé en ce sens. Elle dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Compassion pas capable de prendre fin. Grâce au Dieu pas capable de prendre fin pour s'il a été dès avant la fondation du monde. Seigneur, merci pour bien faire ou yo, bien faire infini ou yo. Merci au Dieu pour grand amour ça qu'on manifeste pour nous. Nous-mêmes, au Dieu qui pas mérité, nous pas dignes pour nous recevoir grâce. Nous pas dignes au Dieu pour nous recevoir compassion. Nous pas dignes au Dieu pour nous recevoir bonté ou, mais à travers grand événement ça, qui planifié depuis dans l'éternité et qui accompli sur la terre, matin, dans le moment ça, nous capables de dire grâce soit rendue à Dieu, nous dignes pour nous témoigner grandeur ou, nous dignes de cette grâce, nous dignes de cette compassion. Merci. Merci Seigneur Dieu pour présence ou omniprésence ou qui multiplie à travers le monde. Nous témoigner omniprésence ou dans le cœur nous, dans la vie nous. Nous témoigner omniprésence ou Seigneur, nos grands offices de l'État. Nous témoigner omniprésence ou Seigneur, dans l'hôpital. Nous témoigner omniprésence ou Seigneur. Dans la prison, yo, même si là, yo, Seigneur, qui est en difficulté, oh Dieu, nous témoignons omniprésence. Nous témoignons omnipotence, car c'est pouvoir, par une autorité, une puissance, qui est capable de dépasser une telle autorité, ou même seule, ou déclarer la parole de toute puissance,
m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, Seigneur, c'est à travers de pouvoir ça. Nous gagnons assurance, Seigneur. C'est où qui en contrôle l'humanité. C'est où qui en contrôle le monde. Merci. Merci pour nous, pour ton sou. Merci, Seigneur, pour omniscience sou. Nous comprenons, Seigneur, par un lien qui est capable d'échapper où, Seigneur. Depuis le monde créé, où il contrôle tout bagaille. Nous adorons pour ça. Et que le monde entier est capable d'adorer et témoigner et grandeur ou majesté. Merci pour chacun de mes capables d'adorer dans le monde ça, qui a accepté dans le cœur par mon lot supérieur que vous-même seul. Toute gloire et toute adoration, c'est vous seul. Nous présentons requête de prière d'adoration ça, dans le nom le plus haut, le plus grand dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous prions à toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Nous saluons encore une fois ou à suivre l'édition de très utile qui la donne. Louange et adoration ou même qui branche nous, quel que soit côté, ou même qui branche sur les ondes de la radio. Et nous m'en capables de même esprit et de l'ouvrage et d'adoration pour nous continuer à adorer le Seigneur. Entre-temps, en nous écoutant notre bien-aimé, le frère Rodney et Saint-Louis, dans parole Seigneur. Frère Rodney, et bonsoir, bonjour, que le Seigneur est capable de bénir. Bonjour, mon frère David, et bonjour, bénissons. Je bénis tout le monde qui vous marche, tout le monde, je bénis tout le monde, la soeur, qui se bat la forme. Et nous nous contentons qu'on est capable de maintenir et qu'on est capable d'adorer, manger ensemble. Et maintenant, nous avons bien dans Matthieu 28, et tout le chapitre. Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie Magdala et l'autre Marie m'envoient la tombe. Tout à coup, il y a un tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel, il vient mettre la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brûle comme le clair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils deviennent des morts. L'ange dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus. Celui qu'on a trouvé sur une croix, il n'est pas ici. Il s'est relevé de la mort, comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples. Il s'est relevé de la mort, et il vous attend en arrivée. Vous le verrez là-bas. Voilà ce que j'ai à vous dire. Les femmes quittent vite la tombe. Elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et leur dit, je vous salue. Elle s'approche de lui, elle saisit ses pieds et l'adore. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Allez dire à leurs frères de partir de la Galilée, ils me verront là-bas. Les femmes sont en route. Pendant ce temps, quelques soldats qui gardaient la tombe vont à la ville. Ils vont annoncer au chef des prêtres tout ce qui est arrivé. Les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens. Ils décident ensemble de donner une grosse somme d'argent aux soldats. Et ils leur disent, voilà ce que vous voulez raconter. Les disciples de Jésus sont venus dans la nuit et ils ont volé son corps pendant que nous dormions. Si le gouverneur apprend cela, nous lui expliquerons l'affaire et vous ne pas donner. Les soldats prennent l'argent
et ils font ce qu'on leur a dit. À cause de cela, on raconte cette histoire encore aujourd'hui parmi les habitants de la Judée. Les hommes ici parlent pour la garder, ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. En envoyant Jésus, ils l'adorent, mais certains les disent à voir. Jésus s'approche et leur dit, j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tout le peuple pour que les gens deviennent des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel, merci Frère Audney, et que le Seigneur est capable de bénir tout le monde qui t'a béni à travers un chapitre ça, qui c'est Matthieu chapitre 28. N'avez-vous toujours été branchés avec même esprit et de l'orage et d'adoration. N'ayons titan et n'a pas retourné été branchés dans la vie. Avec vous, nous avons continué le service de l'ouvrage et d'adoration. Nous avons déjà gagné avec nous la sœur Luna et Kepler qui l'a, toute famine. Entre temps, nous saluons la sœur Carbon, vraiment spéciale qui branche et édition Hébreux 13 TV. On nous laisse la sœur Luna Kepler capable. Béni non le Seigneur pendant que la salue et présente notre bien-aimé frère. Sœur Luna, bonsoir, bonjour, que le Seigneur est capable de bénir nous. Amen. Bonsoir, bonjour, à la vie.
Et nous saluons dans le plus grand nom, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons bonsoir à la France. Et bonjour à la République dominicaine, à l'Ukraine, au Chili, au Brésil, au Canada, Pennsylvania, et la ville. Je vous
La voix, les supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour de mort m'avaient saisi. J'étais en proie à une détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme, l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion, l'Éternel garde le temple, j'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, les yeux de l'âme, les pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel, sur l'or, terre des vivants, j'avais conscience, lorsque je disais, je suis bien malheureux, je vivais dans mon angoisse, tout homme est trompeur, comme rendrai-je à l'Éternel tout ce bien fait envers moi, je lèverai la coupe de délivrance, et j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'attendrai le Dieu en de l'Éternel, en témoin de tout son peuple, elle a dû crier aux yeux de l'Éternel, la mort de cette même. Écoute-moi, ô Éternel, comme je suis ton serviteur, il de tes servantes, que a détaché mon bien, et t'a créé un sacrifice d'action de grâce, et j'ai retiré la main de l'Éternel, la poussière de Dieu envers l'Éternel, en cœur de tout son peuple, dans le parvis de la vie de l'amour en amour de toi, Jésus-Christ, Amen. Amen, à partir du droit de cette fois, vous l'avez de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, je suis Nathalie Fix, et je vous remercie de me croire à l'éloignement du Seigneur Jésus-Christ, et de me croire, et de la vie de mon Seigneur. Il est temps de retourner dans le bas naturel et en venir près de notre vie, reste en mal et le conduit dans la vie de la justice, en premier du Seigneur. Comment je vais m'entendre au domaine de la mort, je fais aucun qu'elle soit en commun, afin de devenir la meilleure nature. Il vient seulement une telle compagnie à la terre, seulement la vie de mon conduit d'or. Et au lieu de la chasse, ma compagnie pour tous les deux de ma vie, il va lui donner la maison de l'Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Je vous remercie pour cette opportunité à la prochaine de faire, mon Dieu. Côté de ce que nous avons, nous devons appuyer, nous avons remercié pour cette opportunité de nous donner.
Merci la famille qui plaira, qui bénit nous à travers cantique et à travers lecture, nous bénit. Que le nom de l'Éternel capable continuer envahir famille. N'amendez-nous, retirer la paix, retirer brancher, et puis n'a continué servir l'adoration. En nous, continuer louer l'Éternel en attendant de retourner avec l'autre frère, avec ce nous. Qui t'a aimé, bénissons le Seigneur dans un cantique ou bien un mot de réconfort. Retirer brancher, n'a tourné après. You are awesome and Omega. We worship you. We worship you, our Lord.
nous retourner avec même service de louange et d'adoration. Et quel que soit courrier qui branché et service de louange et d'adoration, ça, espérant que vous bénissez et ou rempli à travers la présence de Dieu. Et nous avons toujours des bien-aimés qui vraiment inspirés, nous avons laissé nous capables de bénir le Seigneur. On recevra notre bien-aimé Camille dans un cantique. Frère Camille, que le Seigneur bénisse. Bonjour, nous avons Dieu, et moi je t'ai enchanté, c'est pour la gloire de Dieu. Parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix.
Seigneur, gloire à Dieu. On nous écoute la sœur Bernadette Mathurin dans Yon Cantique et pour la gloire de Dieu. Sœur Bernadette Mathurin. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Dans le plus grand nom fort et puissant, merveilleux, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, notre Père éternel. Bonjour, bonsoir, tous les bien-aimés et sœurs de partout qui branchaient ce vivant adoration et de louange en esprit et en vérité à travers l'édition de votre vie qui vit et à travers le monde. Moi, je suis sœur Bernadette Maturé. Dans le même rapport, mon salut passé à l'étiveur avec madame Mie, et nous saluons tous les collaborateurs et collaboratrices sur la séance de notre service efficace. Nous passons toute lecture et après la chanter. C'est dans le somme saint, la gloire de Dieu. Vous êtes l'Éternel avec cri de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Donnez-moi, Jésus, le sauveur. Amen. Donnez-moi, Jésus, le sauveur perdu. Il a mis dans les désirés de mon cœur à t'aider. Il n'est point de bonheur sans te dire de sauveur. Aussi je ne veux plus que le nom de Jésus. Ne dis pas si plus nos images soyez clair, la vie, la chance. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut, par le seul nom de Jésus. Quel droit et l'argent, quel est plus beau mes mains, que dans tous les honneurs, si ma dernière soirée, dans l'immense univers, rien de même au
si cher. Mais la peine de mon cœur, et du morceau de moi. Je dévoilais, c'est plus, je suis énervé. Son éclat remplit le ciel. J'ai une belle couleur, j'ai une belle salue, par le chant de Jésus. Les plus beaux livres des chants n'est pas si indifférente. Du miel de sa douceur, il passait la saveur. Elle est mon bien-aimée, moi c'est donner. Je ne puis au secours, vivre sans son âme. Dans si bon, si pur, dans si merveilleux, sans éclat, obligation. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut. Dieu, merci Seigneur, encore une fois, nous bénis et que le Seigneur est capable de bénir la sœur Bernadette à toute famille. Donc, nous avons salué le frère Rodney Saint-Louis et qui va bénir nous dans yon cantique. Frère Rodney, et que le Seigneur est capable de bénir. Encore une fois, nous bénis. Nous allons chanter comme la gloire de Dieu. Gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel, donc monte à son trône, quand il croit qu'il est bon, quand il croit qu'il est bon, qu'il est juste en puissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parlait ses filles, sur vos puissants conseils, se lève plus sans conseil de sa parole vivante. Il nous instruira, il nous instruira, sa mèche m'attendance. La poussière est excellente, il n'y a que de
ton sang béni et tu cries en sang et foi, et tu cries en sang et foi, montagne tombe sur moi, ton chemin de sacrouleur. Ça
Nous retourner pour nous capables de continuer servir le grand Dieu d'adoration et nous encore une fois nous saluer tous les amis qui étaient là, qui ont suivi, qui ont attendu, qui ont béni. Nous bénissons le Seigneur, même qui malade soit guéri dans le nom de Jésus-Christ, le plus grand nom de la terre. Nous avons plaisir pour nous saluer quelques amis qui vraiment c'est fait partie l'éducation est utile, donc son plaisir pour nous rester connectés ensemble pendant un moment et pandémique, donc nous avons une opportunité pour nous capables adorer ensemble. Il y a plusieurs amis qui
et texte nous et Capdine comment pour nous participer dans l'émission. D'ordinaire, nous avons dit ça que nous va envoyer numéro pour même. Mais juste avant, on va envoyer d'abord un texte pour nous capabiliser connaissance et puis ensuite on va gagner et possibilité pour participer dans édition Jésus TV et chaque dimanche quel que soit courrier à travers le monde donc vous capable brancher justement et voyez un texte et puis n'a font parler ensemble et n'a voyez numéro à vous même et vous capable en direct dans la station et écouter vous capable bénir le Seigneur. N'a pas salué la famille Rodrigue et Jérôme qui branchait et édition Jésus TV nous salue famille et que le Seigneur capable de continuer bénir davantage et nous sommes certains c'est avec lui et n'a marché et c'est pour lui qu'il va faire volonté. Nous saluons la famille Prud'homme et qui branché édition Jésus TV nous salue toute famille nous salue Marie Timonio en général que le Seigneur bénit famille nous salue la famille Patrice Saint-Just que le Seigneur capable bénir famille abondamment pas oublier salue maman papa et tout l'autre frère avec sœur yo. N'a pas salué la famille Villebois, nous saluons famille, nous saluons frère Conquit. Toute famille net en général, nous saluons la famille Mario, que le Seigneur est capable de bénir famille. N'a pas salué la famille frère Pierre Payen, et nous connaissons déjà, et aller au-delà d'évancer nous, mais le reste famille, que le Seigneur est capable de bénir, réconforter nous, accompagner nous, dans tout ça, n'a fait. N'a salué la famille Julienne, que le Seigneur est capable de bénir famille, et abondamment. N'a salué le frère Gédéon, Jean-Ens, que le Seigneur bénit famille. Tout bien-aimé qui n'a communauté, la famille Marcelin, et que le Seigneur bénisse abondamment. Nous saluons tous frères et sœurs qui branchent nous, Philadelphia, qui branchent nous dans Reading et Pennsylvania. Nous saluons tous frères et sœurs. Nous saluons Forum qui sous WhatsApp là, et qui gagne presque 257 personnes que n'a distribuer parole ensemble que le Seigneur est capable bénir nous abondamment. Nous saluer le frère la famille Ricardo tout bien-aimé qui connecté avec nous la famille guerrier et Dieu seul que le Seigneur bénit famille abondamment la sœur Carole Nazaire la sœur Nadia et la trier, nous saluons la famille Samuel, la sœur Samuel, tout bien-aimé nous, frères nous, bien-aimés pasteurs, évangélistes, nous saluons nous toutes que le Seigneur est capable de bénir nous. Donc nous avons une responsabilité pour nous capable d'introduire l'autre devant le trône de Dieu. Donc c'est ça qui responsabilité nous. Donc, nous allons rentrer dans la prière d'intercession et pour nous prier pour le monde. Mais nous allons rentrer d'abord dans le message de la parole de Dieu pour nous capables d'activer davantage concernant de paroles qui sont vérité. Absolu. Donc, que le Seigneur est capable de bénir tout le monde qui va l'écouter. Si la yo qui malade, capable de guérir. Si la yo qui bouleversé, la paix capable de retourner dans le cœur.
n'a nom qui plus grand le Seigneur Jésus-Christ. Donc, non pas nous, nous connaissons déjà, c'est frère David, Sirai, donc, ou avec nous, avec vous, chaque mercredi pour la prière pour le monde, chaque jeudi pour le livre des livres, et chaque dimanche, dans même l'heure, et 10h30, pour nous capables bénir à travers des cantiques qui vraiment sélectionnés. Nous saluer tout bien-aimé qui branchait émission qui avec ministère ça. Nous saluer bien-aimé qui Chilio, bien-aimé qui Brésil, Saint-Domingue, Haïti, nous saluer. Donc, que le Seigneur est capable de bénir nous, nous connaissons nous vraiment en pile, donc nous attachés. Et dans le même esprit qui connecte ensemble, donc le Seigneur capable bénir nous toutes. Donc, au même qui branche, nous capable partager l'émission ça. Et sur YouTube, sur Facebook, ou même qui a peine rencontré avec le ministère là, donc on va rejoindre nous sur YouTube, sur page officielle et pour les utiliens. Donc, vous allez taper David Sirai sur la plateforme. Non? Et où elle écrit David et Sirai. Donc, justement, tapez le nom. Donc, on va joindre à ministère. Ou bien taper Hébreu 13 UTV. Ça va passer dans l'écran. Gardez-le. Très bien. Donc, on va capable de joindre à nous. Donc, que le Seigneur est capable restaurer tout bien-aimé. Et restaurer nos avantages pour nous capables de glorifier le Seigneur. Nous allons faire une lecture et puis nous allons prendre quelques minutes pour nous capables de présenter et le message de la parole de Dieu. Restez branchés et pendant que nous allons faire la lecture sur ça. Nous allons lire première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 4. N'a fait les lectures là-bas et puis nous bral et présenter aux paroles. Corinthiens chapitre 4. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle pour moi. Il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et
Si tu l'as reçu pour croire, te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu. Déjà vous êtes rassasié, déjà vous êtes riche. Ça, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu se seul a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, erreur, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injurés, nous nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Car je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappelle quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur et je connaîtrai non les paroles mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Que voulez-vous que j'aille chez vous avec une vège ou avec amour et dans un esprit de douceur? Parole du Seigneur. Et rapidement, on a considéré le texte dans chapitre 1 pour ce que la Bible, qui c'est révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, le vrai Dieu de toute éternité, et c'est lui-même le vrai Dieu de toute éternité qui l'a pour consoler le monde. Avant même nous rentrer dans le texte, le paragraphe 5, considéré le paragraphe 5, qui dit, c'est pourquoi, ne jugez de rien avant le temps. Toutes les amis et vous êtes utiles, moi, t'as remis,
encourager ou pour souligner le texte ça dans la Bible. Ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs, alors chacun recevra de Dieu la louange qui sera due. Texte gagne une dimension prophétique là-dedans. Texte gagne une dimension prophétique. Et nous avons besoin pour quelques bonnes minutes pour nous capables d'expliquer ça. Texte dit, puis il n'y a personne jugé de rien avant le temps. Pour tous les amis qui faisaient partie et vous créez une TV, peut-être Dieu est capable de susciter pour un prophète. Un prophète, c'est un qui là pour publier prophétie et créateur à travers le monde. N'est-ce pas? Donc, mais cependant, Dieu est capable et utiliser ou pour capable publier parole. Mais ce qui est important à chaque bien-aimé qui a publié parole, créateur, dans le même chapitre là, lui explique que personne dit rien avant le temps, pas jugé avant le temps. Ça signifie. Ça signifie que donc pas faire un pronostic de jugement sous personne avant leur arrivée. Numéro 1, prendre tout le monde qui parlait dans le nom du Seigneur au mot jusqu'à ce que ça le dit à arriver. Pas juger personne qui gagne Bible non mais yo, pas avant que prophétie que annoncée pas arrivé. Nous constatons que le Seigneur Jésus-Christ c'est un prophète qui prophétisait exactement et prophétie. Ça veut dire tout ça dit gagner des milliers de prophéties que le Seigneur Jésus-Christ prophétisait qui arrivait date pour date, jour pour jour. C'est vraiment important. Nous arrivons dans un moment côté en pile monde passer pour des moqueurs pour moquer monde. Pour moquer des serviteurs et servantes de Dieu. Namando, en pile prudence avec ça yo. Si la yo qui est toujours prêt pour démentir. Donc le Seigneur utilise quel que soit mon livre pour voyons un message, mais comme des personnalisés qui connaissent la parole à travers la Bible, au besoin le prophétie qui lancé, au besoin prendre le temps pour capable porter jugement. Si ou êtes ou là ou pas qui est mort, donc prophétie à arriver date ou date. Automatiquement, on va considérer bien les meilleurs, bien les servants, comme un faux prophète ou bien une fausse prophétie qui a annoncé. C'est pour nous dire, pas presser, dit ça pas vrai, spécialement dans le temps ça,
il y a une prophétie qui a pas compris. Sous réseaux sociaux, moi constater plusieurs bien-aimés qui fait des pronostics. Et tant que yo identifié comme prophète, moi-même personnellement, pas jamais monté sur un réseau social pour me dire démentir. Parce que c'est une sagesse qu'on doit utiliser au besoin de la maîtrise de soi et pour capable de faire l'évangile, l'imander maîtrise de soi, l'imander en pile sagesse. Et en pile compréhension. M'a béni dans le Seigneur parce que à travers l'élection des États-Unis, nous devons toujours à prier pour le Seigneur capable de faire un choix. Mais à travers le monde, sur les ondes, m'a déjà dit. Et moi, je suis un prophète, bon prophétisé, mais qui nous a gagné. Parlez que nous sommes imitateurs de Christ. Nous avons imité Christ, mais nous ne sommes pas capables de faire exactement ce que Christ fait. Nous sommes imitateurs de Christ, mais nous ne sommes pas capables de faire tout ça, le Seigneur Jésus-Christ fait, bien que l'annoncé nous capable de faire plus parcelle, mais pas lié. Faut qu'on ait une dimension où on capable de faire plus parcelle. C'est pas dans la chair, mais bien aimé. Ok? Il y a une mission sur la terre pour une période de temps. Donc, l'aller, implanter et ce moment-là dans nous, et pour nous continuer le travail là, et de génération en génération. Voilà. Donc, Dieu a fait un choix pour le monde. Aux États-Unis, son grande puissance, il fait un choix. C'est toujours Dieu qui choisit des hommes d'État pour établir sous yon nation. Il est vrai, nous accompagnés par le peuple qui votait. C'est très bien. C'est très bien. Donc, mais c'est toujours Dieu qui gagne la dernière décision finale. Les manœuvres très sages pour pas à la compliquer. Situation pour des problèmes santé penser dans le cœur là c'est pas lui qui accompli et puis pour bouleverser troubler pour pas pour même perdu la paix qui non toujours posséder la paix pas quitter rien déranger parce que c'est Dieu qui décide. L'Éternel lui dit que d'abord, dans la parole, à travers le prophète Esaïe, voyez par voir les hommes. Pensez-le par penser les hommes. Ça veut dire, c'est pas jamais que l'homme qui fait le choix mettez sous tête une nation spécialement les hommes d'État. C'est toujours Dieu. Sont les bons, Dieu est capable de les mauvais. Sont capable de les mauvais, Dieu est le bon. Pour cela, pour besoin bénir le Seigneur pour tout ça fait, eh bien, nous, ministère de l'Éducation, nous bénissons le Seigneur parce que nous faisons un choix pour le monde et notamment pour les États-Unis. Bye le Seigneur gloire et jusqu'à présent pas de violence nous pas attendez personne moun qui mourit nous bénissons le Seigneur
ça veut dire prier nous yo pas jamais en vain. Gagne bien aimé qui prophétiser et qui passage qui dit c'est trop qu'a président et prophétiser non non le Seigneur. Prudent. Pour tout le monde qui a écouté Hébreux 13 TV, faut très prudent. C'est Dieu qui a décidé sur une nation. C'est Dieu qui a décidé sur famille. C'est Dieu qui a décidé sur vie. La parole de Dieu montre que la Bible dit si vous vivez, c'est pour la gloire de Dieu. Si vous mourrez tout, c'est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire. En toute chose, l'Éternel doit jouer une gloire, donc pas fait excès de zèle. Pour dire, nous ces prophètes, pour faire nous courir à travers réseaux sociaux, à travers des stations de radio, c'est pas ça qui est nécessaire, c'est quitter le Seigneur, agir en nous. Des hommes qui campaient, qui disent, c'est trop, et yo prononcé, yo, l'Éternel dit yo. Et voilà, c'est pasteur que l'Éternel te voulait. C'est Biden. Eh bien, ou t'es doué long de la prière, ou t'es doué assez sage pour dire le Seigneur que volonté doit faire sous nation ça. Ça, c'est toute bonne parole, yon homme de Dieu. Je dis à nous que plusieurs pasteurs qui tombaient dans superstition parce que ils ont fait excès de zèle. Ils ont besoin, ils ont public royal, ils ont besoin le monde royal parler de eux. C'est pas ça. Ils ont vrai homme de Dieu, ils ont homme, ils ont humble serviteur, ils ont humble sœur besoin. Au besoin rester en bas la volonté de Dieu. Je dis à nous garder sur tous les réseaux sociaux, puisqu'on t'a publié ça publiquement, ou t'a prouvé ou c'est prophète, mais voilà que le temps, à travers 1 Corinthiens 4, démentit. Tout le monde garde ou son faux prophète, ou pas un vrai prophète. Donc, le Seigneur Jésus-Christ te dit dans Matthieu 24, prêle des monde qui utilise nol, parle na nol, et dit, c'est eux même qui Christ là. Fon prudent. Ça fait édition de 13 TV. Nous apprenons toute précaution qui est possible pour enlever toute émotion. Et pour nous rester dans les paroles. Donc, lorsque c'est serviteur de Dieu, c'est plus gros parole qu'on est capable de lancer que volonté créateur est capable de faire dans la famille, que volonté créateur est capable de faire dans le cœur, que volonté créateur est capable de faire sous la nation, que volonté créateur est capable de faire à travers chaque bien-aimé. N'a pas encouragé chaque bien-aimé qui a écouté, ou besoin de suivre le Seigneur Jésus-Christ à travers parole yo, à travers parole révélée yo. Donc, par contre, l'important ou même qu'a suivi leader yo, pour ne pas suivre des mauvais leaders. Pour ne pas suivre des leaders qui besoin fait tête yo passer pour yon raison, pour yon l'autre, pour yon parler nan non le Seigneur. Au contraire, li pa yon bénédiction pour tout moun ka parler nan non le Seigneur et puis pour yon dans le faux. Yo besoin dit exactement ça le Seigneur dit ou dit à travers la parole de Dieu. Mais n'a demandé au tout quel que soit bien-aimé qui dit ou Dieu dit pas oublier prendre texte ça dans 1 Corinthiens
4, 5. Donc, pas juger parole li avant époque là rivé. Tout ça, le Seigneur dit. Li gon dat, li gon jour, li gayon moment bien déterminé. Donc, le prophète a parlé, li dit le Seigneur dit, fol ba ou dat la, moment, époque là, effectivement, pour capable, effectivement, croire. Les moments, l'elle parle de moment, date, époque. Donc, ou rete croire jusqu'à ce que moment arrive. Si moment arrive, c'est pas ça, ou va connaître un faux prophète. Et si moment arrive, c'est ça, ou va connaître un vrai prophète. N'a demandé pour rete avec maîtrise, avec patience, avec sagesse pour capable vivre dans monde ça. Monde là très compliqué, monde là très piégé, ou besoin en pile discernement à travers l'esprit de la parole de Dieu révélée. Merci vous même qui t'a écouté. C'était Zami ou frère David. Toujours été branché, nous va rentrer dans la prière d'intercession. Venez brancher n'a tourné. Thank you for your presence. You are here. You are here.
Nous retourner pour nous capables de rentrer dans la prière d'intercession et nous dit tout le monde merci ou même qui t'es branché l'édition Hébreu 13 TV matin. Nous espérons ou béni et que le Seigneur est capable de toucher ou embrasser ou et doit comprendre la réalité dans le moment. Nous souhaitons que vous animez avec l'esprit de discernement dans le moment ça et pour capable de bénir dans le Seigneur. Nous pourrons aller intercéder le Seigneur et remercier pour ça le fait et ça l'a continué fait pour guérison à travers que nous, guérison spirituelle, guérison physique. Nous va continuer bénir dans le Seigneur. Par contre, n'a demandé au capable intercéder le Seigneur pour un frère ou une sœur ou un monde qui est en difficulté. Et le Seigneur capable fait le nécessaire. Disposé pour nous capables la prière. Père éternel, le vrai Dieu d'éternité en éternité, nous implorer faveur, nous implorer miséricorde, nous implorer grâce. Grâce infiniment et grande. Patience ou infiniment grande, bonté ou infiniment grande. Pas de personne qui est capable énumérer grâce ou bonté ou miséricorde ou pour nous. Toute gloire et toute louange, c'est pour même. Nous adressons au Dieu pour le monde entier que vous avez contrôle chaque nation individuellement. Et dans le moment, nous demandons autant prix, on va continuer à prendre contrôle chaque nation, chaque gouvernement et chaque homme d'État, chaque individu à travers le monde entier. Où qu'on est, Seigneur, où est-ce là qui est malade? Malade dans l'esprit, malade dans le corps physique. N'a demandé autant prix, Seigneur, à travers omniprésence, va servir de médicaments. Pendant que n'a adressé la prière et d'intercession, ça y est, des malades qui ont guéri, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, le plus grand nom et le vrai nom, le puissant nom. N'a demandé autant prix, Seigneur, capable de toucher et bénir. Quelle que soit la maladie, car on dit dans la parole, où, celui qui guérit toutes les maladies, la maladie cancer, la maladie sida, la maladie et la fièvre typhoïde, quel que soit le type de maladie, le coronavirus, quelle que soit maladie, dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarer que frère Axenouyo guérit dans le nom de Jésus. Père, nous croyons dans guérison, nous croyons dans manifestation, nous croyons dans autorité et puissance. Béni chaque frère Axenouyo, chaque bien-aimé qui embrasser ministère de Jésus TV, li va yon bénédiction et à travers famille. Merci Seigneur pour aux États-Unis que vous font choix pour pays ça. Nous croyons et c'est au même qui dirige. N'a demandé autant prix permettre gouvernement ça qui là capable continuer et joindre grâce à travers présence. Et que volonté ou capable continue toujours faite. Merci Seigneur pour un gouvernement Trump là qui t'est ou t'est placé sous pays ça pour 4 ans. Eh bien Seigneur, nous disons merci pour tout ça que fait. Merci pour ça qu'on t'est utilisé pour t'est fait. Toute gloire c'est pour. Eh bien merci Seigneur pour nouveau gouvernement ça pral établi sous pays ça. On va accompagner yo. On va bailler au discernement pour être capable de servir nation. Nous demandons au Seigneur pour chaque nation, au capable d'accompagner et garder
nous présenter pays d'Haïti dans main. Oh Dieu, nous croyons même gens ou établi yon nation ou fait plusieurs nations devenues yon grande nation. Nous croyons que pays d'Haïti un de ces jours capable devenu yon grande nation. Nous va des frères avec sœurs qui unis pour nous capable construire pays nous. Même gens et juifs yo Israël t'es en Égypte ou te permettre yo construire pays yo. Nous croyons ça Seigneur. N'a croit dans et grâce ou n'a croit dans miséricorde. T'en prie. N'a mande autant prie Seigneur quel que soit gouvernement, plus précisément gouvernement pays nous orientel et permettre pays ça capable de venir chemin. Yon aller mieux pour chaque monde qui existe la donne et chaque monde cap vive de l'extérieur. Accompagner et garder et protéger yo. Seigneur, nous comptons sous et n'a continuer de compter sous permettre que ministère Hébreux Résult TV capable aller bien loin pour capable glorifier et adorer. Père, nous prions et adresser requête de prière ça dans le nom de ton fils Jésus-Christ, à ou même la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. N'a pas dit tout le monde bonsoir, bonjour, qui t'est branché l'édition de Résult TV, non pas M'sie David Siray qui est avec vous. Et non. Et chaque mercredi, chaque jeudi, chaque dimanche, nous content que vous êtes là, n'a souhaité ou yon bon moment, que le Seigneur capable bénir, restaurer et transformer moun ki malade capable guérir. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'abdi tout le monde bonsoir, bonjour. À yon lot belle émission. Pas oublier, partager émission. Merci tout le monde. Toujours est
Fermez-vous.
Jésus, oh, Jésus, à toi.